layers and layers of smushed glass. Piles of piles of rusted iron. Eight block of ice. Joris me hizo constatar que su trabajo está completamente centrado sobre la palabra, pero que por desgracia no habla español. C'est pourquoi je lui ai proposé d'être son interprète. Por eso le propuse ser su intérprete. Es un trabajo que es bastante sencillo. Je dirais qu'il faut surtout être très concentré et rester très calme. Sobre todo hay que estar muy concentrado y permanecer muy tranquilo. Il y a en gros deux types de situations. En général, hay dos tipos de situaciones. Y también está la interpretación consecutiva, donde estoy presente al lado de la persona que habla, como es el caso de hoy. Mais ça aurait pu être n'importe qui, je ne pense pas que c'était personnel. De me faire perdre le fil le faisait jouir de façon tout à fait perverse, car il s'est mis à accélérer son débit et à parler de plus en plus vite, en alignant des termes très obscurs et particulièrement difficiles à traduire, comme les concepts heideggeriens de invérité, dévalement, allégie, ouvritude, flagrance, des obstructions qu'il lançait comme ça à la volée en version allemande et française, et qu'il commentait dans une folie de détails étymologico-philologiques, sans aucune considération pour moi, qui essayait d'enregistrer mentalement le détail tortueux de son raisonnement, tout en lui jetant des regard ni furieux, ni suppliant, mais je voyais bien qu'il n'avait aucune forme d'attention pour moi, qui me tenait pourtant juste à sa droite, et qui probablement devenait de plus en plus rouge et ratatiné, comme si tout le poids des mots que je tentais d'enregistrer reposait sur mes épaules. Et cuantas más palabras se acumulaban y más tiempo pasaba, más hallaba yo como una relajación olímpica, como un nirvana. Y tuve la certeza de que todo se había quedado guardado y cada frase estaba en su lugar. Et c'est peut-être ça la chose la plus curieuse de cette activité d'interprète. Y quizás eso es lo más curioso de esta actividad de intérprete. Aquí claramente es Joris el que habla y el que está leyendo el texto que ha escrito. Et que moi je découvre en même temps que je traduis devant vous. Y que yo descubro a medida que lo traduzco delante vuestro. Moi, je ne suis que l'interprète de cette scène, dont il est le personnage, en même temps que l'auteur. Comme Arthur Rimbaud disait, je et un autre. Je et un autre. Je crois qu'il est en train de me regarder. Creo que está en tan que me está mirando. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il ne s'adresse pas directement à moi. Pero es extraño, tengo la impresión de que no se dirige directamente a mí. S'il me parlait directement, il devrait dire tu, non?
Si me hablase directamente, tendría que decir tú, ¿verdad? Qué bon. Es bello. Qué bon. Tú eres bello. Sí. Yo también te quiero. Muchas gracias. La siguiente canción que vais a escuchar se llama Thank You Song. Gracias, canción. Yeah!